Lors d'un discours pendant son voyage officiel au Ghana, le prince Charles s'est dit préoccupé par l'avenir de ses petits-enfants. Mais pourquoi s'inquiète-t-il pour le futur de George, Charlotte, Louis et le bébé de Meghan et Harry? Le prince Charles deviendra grand-père pour la quatrième fois en 2019 avec la naissance du premier enfant du prince Harry et de Meghan Markle. Avant même de voir sa famille s'agrandir encore un peu plus, le fils de la reine Elisabeth II ne cache plus sa préoccupation concernant l'avenir de ses petits-enfants. Lors d'une cérémonie dans le cadre de son voyage officiel au Ghana aux côtés de sa femme Camilla Parker Bowles, le prince Charles a dressé un constat très alarmiste sur l'état de la planète. « C'est une folie de leur léguer un monde aussi pollué, abîmé et détruit. Tous nos petits-enfants méritent un meilleur futur. » Le prince Charles se montre très inquiet sur le futur du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis, les trois enfants de Kate et William, en attendant l'arrivée du bébé de Meghan et Harry. Très engagé dans le combat écologique comme ses deux fils, l'héritier du trône de la famille royale britannique met en garde les générations futures contre l'abondance de plastique aux quatre coins de la planète aujourd'hui. 8 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans l'océan. Il y aura bientôt une tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons dans la mer. Le prince Charles appelle à trouver une solution pour protéger les océans de manière urgente. Un surnom très surprenant comme l'a révélé le site britannique The Daily Mail, le prince Charles ne se fait pas appeler papy ou pépé par ses deux premiers petits-enfants, le prince George et la princesse Charlotte. Ils surnomment leur grand-père paternel par un affectueux mais très surprenant grand-papa de Galles. Step up.